Vincent Perrault était invité de TPMP People sur C8, ce samedi 5 mars. Mathieu Delormeau n'a pas manqué de profiter de sa présence pour le questionner sur l'affaire Pierre Palmade, le présentateur et l'humoriste s'étant maintes fois croisé sur les plateaux de télévision dans les années 90 et 2000. Pierre, je l'ai vu arriver en tant qu'humoriste. On a commencé nos carrières à peu près au même moment, on a fait un nombre incalculable d'émissions ensemble. On se connaît bien, on était proches mais il y a des choses qui nous séparent et qui nous ont d'ailleurs éloignés ces dernières années, a-t-il précisé en guise de préambule. Cette précision faite, l'animateur de l'émission estivale 40 degrés à l'ombre a déploré un drame absolu. Je ne peux pas m'empêcher de penser à cette femme enceinte. À ce petit garçon. Je ne peux pas m'empêcher de penser à son papa. Et je ne peux pas m'empêcher de penser à Pierre qui a fait là la plus grosse connerie de sa vie, a-t-il alors argué en mentionnant les victimes du violent accident de la route causé par le comédien alors qu'il conduisait sous l'emprise de stupéfiants. Vincent Lagaffe, Evelyne Leclerc, Philippe Risoli. Ces animateurs qui ont marqué le petit écran dans les années 90, que voulez-vous dire qui ne soit pas à charge? Je n'ai rien d'autre à dire, a tenté de conclure le journaliste de 57 ans avant que Mathieu Delormeau ne l'interroge sur le silence de certaines célébrités connues pour être des proches de Pierre Palmade. Je ne sais pas si ses amis le lâchent ou s'il refuse de prendre la parole, a alors nuancé Vincent Perrault. Il a poursuivi en évoquant sa situation, « Moi, je n'ai absolument rien voulu dire, nulle part, et je pense que ne pas prendre la parole, c'est aussi lui rendre service. Que voulez-vous dire qu'il ne soit pas à charge ? Et de conclure, il y en a bien assez comme cela. Ne tirons pas sur l'ambulance. » Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, capture d'écran C8.